Bambi. En 2011. 2011. C'est de la publicité pour moi-même avant tout. C'est aussi une forme d'évasion. Super varié, j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie, c'est-à-dire j'ai pu faire de l'urbanisme. Je parle d'amour ou de musique ou de chillance, enfin de tout ce qui peut se passer. Je m'inspire un peu de tout ce qui va m'entourer en fait. Ok, donc ça va être soit des murs, donc tout type de murs, ça peut être du carton, ça peut être à la maison pour mes toiles, ben des toiles ou du papier. Et j'ai déjà peint sur du carrelage que j'avais récupéré, enfin voilà, quand je vais trouver un support qui va m'inspirer ou quelque chose, par exemple qui a une vie ou qui a une vie avant ou quoi, ça peut m'inspirer aussi, donc je prends un peu tout ce qui passe, quoi. Je vais dire la musique, ma vie, mon entourage. Mes rencontres, mon feeling. Alors j'en ai plein. Et toutes les semaines, il y en a un nouveau. En ce moment, je suis plus dans le rap français, donc c'est plutôt du H-Kid ou du Sopico. Enfin, c'est les trucs que j'écoute un peu en ce moment. Mais sinon, enfin, j'écoute beaucoup de West aussi. Tout le mouvement. Et puis. En street art, niveau peinture, qui m'inspire en ce moment, j'en ai un paquet quoi. Enfin, je prends un peu tous, tu vois. J'arrive à trouver en fait une forme d'inspiration dans un peu chaque forme d'art que je trouve, tu vois. Des fois, alors c'est sûr qu'il y en a qui me parlent plus que d'autres.